Aujourd'hui, après notre départ, ceux qui viendront trouveront un chemin balisé à l'identité. D'abord, pour ce qui concerne la Charte d'Arthur, qui en réalité aujourd'hui est son socio-communiste, nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui permettront dorénavant de savoir que lorsque vous voyez tel signe et tel autre, il s'agit bien de la République démocratique. Lancement officiel de ce portail de la République qui, en des termes simples, nous dirions, c'est la porte d'entrée virtuelle en République démocratique du Congo. Nous avons des portes d'entrée physiques, mais là, nous avons une porte d'entrée virtuelle.